Et bonjour à tous, c'est John Jonathan, bienvenue dans cette vidéo les amis. Une information que je vais partager avec vous sur Twitter qui nous donne des informations concernant les 5 ans indirectement en soi. Mais je veux dire, c'est tellement gros que à ce stade là, c'est quasiment sûr et certain que c'est du teasing. Alors, je rappelle le contexte, hein, j'avais déjà fait une vidéo sur les 5 ans, ça fait déjà 2-3 mois, parce que l'information clé a pop déjà il y a quelques temps. Si vous ne l'avez pas vu, bouton i en à droite, hein, mais tout simplement, une figurine Gogeta Super Saiyan Blue a été listée, voilà, collab Dokkan Battle 5e anniversaire. Donc forcément, partant de là, on s'est dit, bon bah les 5 ans, Gogeta. Gogeta bleu déjà, voilà. Hein. Donc en gros c'est ça, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi d'autres petits trucs dans la vidéo, c'est pour ça aller la voir à la limite avant de voir celle-ci, mais bon, grosso modo il y avait ça. Après, voilà, par rapport aux autres indices, on a compris que les 5 ans, le thème ça allait être divin. Voilà, en gros, thème divin. Donc ça, je pense que presque tout le monde le sait à ce stade-là. Et donc, en face de Gogeta, bah finalement il y a deux choix qui se dessinent, ou qui se sont dessinés, parce que là, avec cette info en plus, enfin, ce que je vais vous montrer pour moi c'est clair et net. Même si ça l'était déjà plus ou moins, c'est soit Broly, ah voilà, Broly, Broly DBS, ou alors Végéto Bleu. Hein, Gogeta Bleu, Végéto Bleu, si on regarde les précédents anniversaires, hein, les 3 ans, c'était quoi? Gogeta, Végéto, bah Gogeta, Végéto. Alors, il y en a qui vont dire c'est pas très original, machin, etc. Bon, ça reste pas exactement la même chose, parce que Gogeta, Végéto, il y avait quand même Goku, Végéta. Je pense pas que là, ce sera Goku, Végéta, ça me paraît même pas possible, en fait. Ce sera directement la fusion Gogeta, Végéto. Probablement basse forme, hein, même ça j'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, mais probablement basse forme, parce que si ils sont déjà en bleu, c'est-à-dire tous les végétaux bleus actuels, ciao. Enfin ciao, en tout cas concurrence, donc c'est gênant. Donc je pense qu'ils seront basse forme, et qu'ils passeront soit SSJ, puis SSJ Blue, soit directement SSJ Blue. A voir, mais c'est probable. Après ça se trouve ils seront direct SSJ Blue, hein, ça on en sait rien, mais bon. Donc voilà, en gros c'est voilà, Broly ou végétaux, sauf que Broly en soi, je veux dire, célébration à thème divin, Broly, quand bien même il est très fort, c'est pas, enfin il a pas du ki divin, hein, c'est différent, il est juste extrêmement fort. Donc, bon, et puis tu rajoutes à ça les 3 ans et le schéma des anniversaires sur Dokkan, ça me paraît évident que ça va être Gogeta bleu, Végéto bleu, hein, franchement, voilà, ça me paraissait déjà quasiment sûr pour moi à ce stade-là. Et donc là, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que cette page en fait, pour ceux qui connaissent pas. Donc Feignon en fait c'est donc sur Twitter c'est quelqu'un qui fait pas toutes les cartes de Dokkan mais qui fait parfois des cartes de Dokkan. Enfin qui les dessine etc. Pour Bordai, pour Akatsuki. Voilà, il fait des cartes de Dokkan Battle. Et il s'avère qu'hier, il a tweeté ça. Ça et ça. Alors les amis, voilà, deux dessins qu'il a fait de Gogeta bleu et Végéto bleu. Poster ça à 3 semaines des 5 ans, voilà, sachant qu'on sait que ce mec là fait des cartes de Dokkan Battle, officiellement hein, pour Bandai. Je veux dire, ça peut pas être le hasard, c'est impossible. Je veux dire, le timing, c'est pas possible, c'est du teasing, vraiment. Et d'ailleurs, les gens en dessous, hein, je vais pas tout vous montrer, mais ça y est, hein, tu vois, ça y est, Dokkan anniversaire et Dokkan anniversaire, enfin. Voilà, les amis, à ce stade-là, franchement, le doute est clairement plus permis pour moi, en tout cas. Alors, en soi, il le restera tant qu'on n'aura pas la confirmation officielle. Mais bon, entre les précédents indices... Alors déjà, Gogeta Blue, c'est sûr et certain, parce que ça, c'était figurine, machin, bidule. Mais là, plus ça, là, pour confirmer finalement juste avant, bon, ça arrive bientôt, hein, dans 3 semaines. Donc voilà, pour moi, c'est sûr et certain, le DDF, Végéto Bleu. Gogeta bleu maintenant directement, j'en sais rien, etc. Basse forme, bon ça on sait pas trop. Mais voilà, ce sera ces deux personnages. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc voilà, après, bon bah chacun on pense ce qu'il veut. Hein. Voilà, il y en a qui ont dit ouais, c'est répétitif, machin. Je suis d'accord d'un côté, mais on va pas se mentir les amis. Sous réserve que les attaques spéto elles soient dingues, quand on va les voir en face de nous. Tu vas pas me dire que tu vas pas kiffer, bien sûr que tu vas kiffer. Maintenant, attention, hein, parce que je rappelle que les SSJ4, les SP, c'était pas dingue, hein, parce que les persos, ils avaient été faits il y a un milliard d'années, donc peut-être que là, espérons que ça a été géré autrement. J'espère que oui, parce que bon, vu ce qu'on a eu récemment, encore une fois, avec Couleur, avec le Goku, Genki Dama LR,
même Miracle One, etc., les qualités d'animation, j'espère que ça va être au moins au même niveau, parce que sinon ça serait vraiment dommage. Voilà, mais en tout cas, il y a du potentiel pour que ce soit vraiment ultra lourd, même si, effectivement, encore Gogeta Vegeto, mais bon. C'est un anniversaire, les amis, je rappelle que Bandai, ils veulent des sous, hein, donc voilà, je rappelle qu'au Japon, ils ne jurent que par les Saiyans, les fusions, alors, non pas qu'on les aime pas non plus, mais bon, quand même, sur la globale, tout ça, on est un peu plus varié, hein, au niveau des personnages, mais bon, hein, je rappelle que Bandai, hein, ils veulent des sous, hein, donc forcément, pour les anniversaires, ils envoient ce qui fait des sous, hein, ça me paraît assez évident. Donc voilà les amis, bah dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Donc voilà, mais à ce stade-là, hein, le doute n'est plus vraiment permis. Donc voilà les amis, pour cette petite VOD, on va s'arrêter là, hein, tout simplement. N'oubliez pas le petit instant soutien, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très très bientôt. Salut.